Bonjour à tous et bienvenue sur Benoît 494 pour ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Lord Skrulk et les Skaven. Donc on vient de perdre une armée, on s'est décidé à attaquer Fernavest, voilà, qui passe sur notre territoire comme ça, genre comme s'il était chez lui, mais où tu vas toi. Et du coup on va essayer de le buter. Voilà, on va prendre un peu de soutien, donc on a déjà 4 ici, plus lui qui peut nous en apporter d'autres. On n'a pas vraiment besoin de plus. Ici, on a un type expérimenté. Lui, il va falloir qu'on essaye de le protéger parce qu'on en a marre de perdre des généraux. Et du coup, on va lancer la bataille. Voilà, c'est parti. Donc on y va, on va voir comment on va se positionner. On va essayer de les buter. Hein. De toute façon, ça, c'est rect. Donc du coup je pense qu'on va se caler dans ce coin là, voilà, pour les empêcher de nous contourner trop facilement. Et puis on va leur balancer tout ce qu'on a en artillerie. Nos catapultes. Donc ces gars là il faut s'en méfier parce qu'ils sont à la fois archers et à la fois lanciers. Donc ils peuvent être très très chiants. Et du coup, ça va être parti. Ah ouais, mais si on se met là, on est totalement dans le dévers. D'accord. Voilà, ça va être notre première ligne. On va mettre... Ah merde, mes renforts, ils arrivent d'où? Ah bah ils arrivent de là, justement. Donc c'est très bien. On va mettre nos catapultes. Par ici. Voilà. Nos unités de tir, on va se les mettre par ici. Ils ont quoi comme angle? Est-ce qu'on peut les avancer un peu, genre par ici? Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Nos moines de la peste qui vont rester plus ou moins en arrière pour empêcher les contournements et qu'on se fasse attaquer nos catapultes, eux, qu'on devrait pouvoir mettre quelque part ici caché. Voilà. Notre assassin qu'on devrait pouvoir cacher dans le coin. Notre Lord Skrulk qu'on devrait pouvoir mettre dans le coin. Voilà. Nos unités monstrueuses. Voilà, qu'on va mettre dans le coin là. Voilà, toi par ici. Toi par ici. Et vous, on va vous mettre voilà, par ici. Voilà, mes prêtres, je vais les mettre quand même plutôt par ici, voilà. Et du coup, on va commencer le déploiement. Et on commence la bataille. On laisse nos unités arriver, donc toi, bah, tu vas venir te mettre ici.
toi, bah, tu vas venir te mettre ici. Vous, vous allez venir vous mettre ici. Vous. Vous allez venir vous mettre ici. Vous. Vous allez venir vous mettre ici. Vous, les unités de tir. Venez par ici. Voilà. Et eux, on va les mettre avec les petits copains ici. Voilà. Voilà. Quelle pose, il a pas encore des masses et des masses de pouvoir lui. Donc on va faire bien sûr. Voilà. Personne en mode escarmouche. Voilà. Voilà, donc eux ils bougent pas. Hein. Eux ils ne bougent pas et j'ai rien qui puisse leur tirer dessus à cette distance là, forcément. Du coup j'aurais plutôt dû me placer en sneak dans les bois en fait et puis les attaquer de tous les côtés. Mais là du coup c'est un peu mal barré en fait. Du coup, on va se déployer dans les bois par ici. Eux, on va se les approcher par ici. Lui, il est toujours en sneak. New victim. Voilà, ça bouge. Allez, on y va les enfants là. Mes unités de tir. Voilà, déplacez-vous par là. Qu'est-ce qu'il nous reste ici? Il nous reste ce gars-là, donc toi... Avance-toi par là, toi avance-toi par là. Vous les gars, avancez-vous ici. Puis avancez-vous ici. Voilà.
Ici, ils ont quoi? Mais ils ont toute leur armée qui est ici, en fait. Regardez-les-moi. Donc eux, ils vont vite mourir, hein, mais... C'est tous ces gens-là. Voilà. Les canons, j'ai presque envie de les faire venir ici. Voilà. Ce groupe-là... On va les faire venir par ici. Voilà. Eux, bah, ils sont en train de fuir et de mourir. Hein. Logique. Et on va les cacher aussi dans la forêt. Et on va les approcher par là. D'ailleurs, en fait, vous allez aller dans ce groupe-là. Ce sera plus facile à gérer. Toi, tu viens ici. Et toi, ici. Voilà. Nos unités de tir sont toujours en mouvement. Notre monstre qu'on va approcher quand même, et notre roue infernale aussi. Voilà, j'ai rien oublié. Voilà, bah eux, on va les faire venir ici. Stop!
then hurry! Smash! Kill! Kill! I agree! Fight attack! Yes! Yes! What's your orders? Ok, alors on va faire une petite pause. Toi, monseigneur. Voilà, tu vas balancer ça là. On va aussi... balancer ça là. Ici, on va aller là-dessus. On va faire pop ces gars-là. Ici. Ah non, c'est... je peux pas... c'est l'un ou l'autre. D'accord. Pause ici. On va aller attaquer ça. Ici, on va aller attaquer ça. Ici, on va aller attaquer ça. Ici, on va tirer là-dessus. Toi. Voilà. Voilà. Et voilà. Toi. Oh. Non mais... voilà. Hein. Toi tu vas là, toi tu tires là-dessus, toi tu tires là-dessus. Ici. Ici, il faut aller là-dessus. Ici. Tu nous fais pop ces gens-là. Voilà. Bim, dans ta face, vous. Arrosez-moi cet enfoiré. Quoique non. Arrosez-moi ces enfoirés-là, plutôt. Toi, attaque-les aussi. Toi, attaque-les. Toi, attaque-les. Vous. Tirez-moi là-dedans. Parce qu'ils nous font super mal, eux. Et vous, tirez-moi sur ce gars-là. Voilà. Toi, tu peux m'envoyer ça. Il va falloir que tu avances un peu, mais... tu vas m'envoyer ça là-dessus. Voilà. Ok, ensuite, Lord Skrulk, tu vas nous envoyer ça ben, là-dessus. Ils ont l'air d'être tellement tous en gros paquet qu'on va essayer de pas se les rater. Voilà, bim, le sort part. Wow, on leur fait mal. Ici, on va envoyer ça sur ces gens-là. On va envoyer ça ici pour faire un petit contournement. On va envoyer ça ici. Voilà, pour foutre le bordel. Ok. Pause. Mais
Mêlons feu là. Ils font quoi? Ah mais ils sont là cachés eux. Ah mais les gars, faut venir aider les copains là. Faut venir aider les petits copains là. Donc vous allez vous rappliquer ici et on speed. Voilà. Ici, toi, j'aimerais bien que tu ailles faire ça. Toi, t'es bien caché ici. Tu vas revenir là-dessus aussi. Et toi, Marou Infernal, tu vas venir taper là-dedans. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai des gens qui ont encore des sortilèges? Lui, il a... Ok, bim. Et... Bim, aussi, avec les ennemis à portée, hein, donc tant qu'à faire, on va le lancer dans la bataille. Nos canons, eux, continuent à tirer là-dessus. Nos unités de L continuent à tirer là-dessus. D'ailleurs, voilà, vous tirez là-dessus. Ici, on est en train de les cartonner. Ici, on est en train de se faire cartonner. Ok, donc on renvoie, on décolle, on va mettre pour son grade, ici, allez-y, ici, allez-y, ici, ici, continuez à tuer ça, vous, continuez à tuer ça, toi, continuez à tuer ça, vous, continuez à tuer ça, vous, continuez à tuer ça. Vous, continuez à tirer sur ça. Du télé. Il est là-dessus. Toi, là-dessus. Marou Infernal est en train de faire du dégât là, normalement. Tiens là-dessus. Tiens là-dessus. Tiens là-dessus. Vous attaquez ça, vous attaquez ça, vous vous attaquez ça. Ici, nos lance-feu. Le lance-feu qu'on va faire venir par ici. Le seigneur ennemi est mort. Allez-y, attaquez, tirez sur tout ce que vous pouvez. Et ici, on massacre tout ce qu'on peut. Donc vous, là, hop là, de votre côté, ça a été massacré. Ici, on est là. On massacre, ici, on massacre. Là, tu massacres. Vous, vous massacrez, vous massacrez. Voilà, et du coup, on peut terminer cette bataille. Voilà, on s'en est pas trop mal sorti. On a bien poutré ce gars-là. On l'a renvoyé chez lui, je crois bien. Au pire, de toute façon, je peux encore le réattaquer. Je pense. Donc, c'est pas le plus gênant. Et on lui a fait relativement mal, quand même. Hein. Victoire décisive. Hein. 588. Plus de la moitié de ses pertes. Plus, il a perdu plus de la moitié de son armée. Lui est mort. Voilà. On va prendre la nourriture parce qu'on est grave en galère de nourriture pour le moment. On lui a éclaté la gueule, voilà.
Et du coup, est-ce que j'aurai encore assez de mouvement pour venir en soutien ici? En faisant ça. Voilà. Me voilà, camarade. Et donc ici on va pouvoir l'attaquer. Lui, on va le remettre dans les sentinelles pour qu'il régène, même s'il a pas perdu grand chose. Hein. Il est toujours à 16 sur 16. Sur 20. Plutôt. Il a plutôt fait du bon boulot. On est assez fier de lui. Donc on va. On va. Chef de meute, attaque plus 4 pour les guerriers des clans. Réduction de temps de rechargement pour les coureurs nocturnes et coureurs debout. Munition plus 8 pour les lance-feu de malflamme. Globadi avant empoisonné. Ah, ça peut être pas mal. Je pense que lui, on va commencer à lui donner des trucs comme ça. Ça me botte bien. Et ici, on va attaquer ce gars-là dans le prochain épisode, hein, ma foi. Voilà, hein. Ici, Corpable, est-ce que tu peux... Non, tu peux pas. Est-ce que tu peux ici? Je pense pas non plus, parce que voilà, t'as dû faire une action lors du dernier tour. Donc tu vas juste t'enfuir à toutes jambes. Hop, sauve-toi. Voilà. Ici, on a à revenir parce qu'on a vu qu'il nous avait envoyé un de ses agents. Ici, dans ce coin-là, je crois pas avoir d'agent. Non, la noire est trop loin. Et la noire a fait une action au tour précédent, donc il va avoir du mal à faire une action ce tour-ci. Donc pareil, on va plutôt faire se barrer. Ici, le monument de la lune. On va réparer les bâtiments, on n'a pas trop le choix. Et on va passer les hautes sentinelles, je pense. Voilà, comme ça on pourra y faire une garnison. Et voilà. Et donc du coup, on peut faire un rite. Plus de nourriture, plus de croissance, plus d'ordre public. Allez hop, on y va. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un seigneur non déplacé. Alors, on va vérifier. Brom. Qui est ici, qui va remonter aussi dans ce territoire-là. Voilà, à ce niveau-là, donc tous nos agents se sont déplacés. Toutes nos armées ont été déplacées. Et du coup, il va nous refalloir une armée. Donc du coup, eh bien, à Itza, on va recruter un seigneur. J'ai pas de seigneur. Donc on va reprendre ce gars-là. On va le foutre dans la... Voilà. Et on va commencer à lui constituer une armée. Ouais, vermine de choc. Vermine albarde. Voilà, deux tours. De toute façon, ces gars-là, ils vont en prendre 4. Et ces gars-là, 2. Voilà, donc ça nous fait 4 tours de recrutement, pendant lesquels bah, on va juste attendre. Et du coup, au prochain épisode, on attaque ce monsieur. Voilà. Donc, oh bah... Oh bah ça vaut même pas le coup.
Ça vaut même pas le coup, on va juste le tuer. Comme ça c'est fait. On récupère. On va prendre de la nourriture. Voilà, ça nous fera du bien. Voilà, comme ça on est remonté à plus 20 en nourriture déjà, ça le fait. Ça va nous durer quelques tours. Et du coup, Ono, notre assassin, on va lui donner sournois. Voilà, on a des améliorations de colonie, donc bon, on va vite fait finir cet épisode-là là-dessus. Hein. 7002, non, on va attendre. Par contre, à la limite, on peut augmenter ça. Ça nous fera plus d'intégrité. Et puis... Et puis, c'est pas très très cher. Quoique, je préférerais peut-être faire ça d'abord. Voilà, c'est un peu plus cher, mais au moins... Et la jungle rampante, donc on peut améliorer ça, et dans 3 tours on pourra, donc on va économiser un petit peu nos revenus. Voilà, on est à 10 528 de revenus, c'est pas mal quand même. Et donc voilà, donc un peu plus au sud, on est en train de reconstituer une armée. Ce monsieur-là ici... Du coup, je lui filerais bien. Il a déjà pas mal d'unités de tir en fait. Hein. Après les grosses unités, ça demande vraiment beaucoup de tours. Donc du coup, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Quatre tours, c'est quand même assez énorme. Non, bon, on va la laisser comme ça, cette armée, je pense. Voilà, et puis on va s'arrêter là. Voilà, donc eh bien vous connaissez le refrain, n'hésitez pas à liker, partager les vidéos, ça aide la chaîne à se faire connaître. N'hésitez pas non plus à me laisser vos conseils et commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous fais des gros bisous, et je vous retrouve dès demain pour la suite de nos aventures sur Total War Warhammer 2 avec Lord Skrulk et les vampires. Et si vous aimez le Total War, n'hésitez pas non plus à jeter un coup d'œil à Total War Coliseum, la chaîne du Total War, où il n'y a que du Total War, et de très bons lives d'ailleurs. Voilà, allez, gros bisous à tous, et à demain.